have about 300 members, but we haven't quite hit our stride with the, what, how many? So if someone's listening, Brian, and would like to join, you have a website, no doubt? Yes. I don't know. Is it underneath me, over my head or something? Here, somewhere here, and the website is? Canadian Club. Calgary.ca. Canadian Club altogether, Calgary.ca. So it would be www. Okay, well, thank you, Danielle Sikander and Brian Duclos of the Canadian Club of Calgary. Please stay with us. On continue en français. Bienvenue de retour. On continue notre conversation intéressante avec Danielle Sikander et Brian Duclos du Club canadien de Calgary. Encore une fois, tes origines, s'il te plaît, Danielle. Mes origines, je suis une Québécoise née dans le bas du fleuve, dans une petite ville qui s'appelle Amqui, dans la vallée de la Matapédia. Et nous sommes déménagés en Alberta en 1968 et à Edmonton et à Calgary en 70. Mon mari est un géologue. Il travaillait avec Shell. Alors, Shell ont déménagé tous les employés à Calgary. Nous avons deux enfants, une fille qui vit à Calgary et un fils qui vit à Montréal. Et je suis en retraite depuis 2 ans. J'ai travaillé avant à l'hôpital Foothills dans le département de des sciences cliniques de neurosciences. Neurosciences, clinical neuroscience, je vais le prendre celui-là. Et puis, je travaillais en administration dans le département. Et puis, en janvier 2013, j'ai décidé de prendre ma retraite. Et j'ai commencé à m'occuper du Club canadien il y a presque 2 ans maintenant. Et tu fais quoi au Club canadien? J'invite les conférenciers avec une autre partenaire. Nous sommes deux qui font le même travail. Et puis, alors à chaque mois, on doit trouver des conférenciers intéressants qui vont attirer des membres pour venir à nos... On en saura davantage dans quelques minutes. D'accord, oui. Et... Alors, du tour à Brian, peut-être. Peux-tu nous dire quelques mots en français de tes origines, Brian? J'essaie. Je suis né à Montréal. Mais après quelques années, je viens ici en 1972 et je viens, j'ai déménagé à Banff où j'ai trouvé les arts, les beaux-arts. Mais je ne peux pas faire les beaux-arts. Mais je peux faire les affaires des beaux-arts. J'ai I became an arts administrator. Administrateur dans le domaine des arts. Oui, pour le secteur non-profit. Puis, après un temps à Banff, je viens ici à Calgary et puis je commence avec Strathcona Tweedsmuir School. SAIT. J'ai travaillé avec le Calgary Zoo ici, enlever les fonds, beaucoup d'argent. Et, personne grandement recherché pour trouver de l'argent. C'est un talent extraordinaire quand même. Et vous avez une famille? Oui, nous avons. Deux filles. The eldest, meilleure, non? La plus vieille, l'aînée. Oui. Elle a déménagé à Dallas avec son mari. Mari, oui. Oui. Je m'excuse pour. Non, c'est très bien. De temps en temps, je peux parler en français, mais. Ah. C'est pas ma ligne originale, maternelle. Je reste ici à Calgary tout le temps. Ouais. Ça, c'est ma,
Ça c'est ma maison. C'est ta ville. C'est ma ville. Oui. Ouais. Retour à toi, Daniel. Le Club canadien, ça vient d'où ça? Ça existe depuis combien longtemps? Le premier club a été originaire de Hamilton en 1893. Celui de Calgary a commencé en 1907, quand la population de Calgary avait 17 000 personnes. Alors, ça a évolué. À ce moment-là, ils avaient presque 350 membres. Et le temps ils ont eu, en 1913, le conférencier était Henri Bourassa. Henri Bourassa était un journaliste et politicien de Montréal. Mais c'était ouvert aux membres seulement. Alors, à ce moment-là, ils ont eu 600 membres, nouveaux membres, bien, nouveaux avec les anciens, ouais. qui se sont enregistrés pour écouter Henri Bourassa. Alors, pendant la guerre, naturellement, les gens sont partis en guerre. Ils ont perdu 200 membres à un moment donné. Et puis, alors, ça a diminué, diminué. En 1985, ils avaient près de 150 membres à ce moment-là. Mais alors, maintenant, on essaie de reconstruire le club. Et puis, on essaie aussi de le rendre un peu plus populaire pour attirer plus de membres avec nous. Mais ça s'en vient bien maintenant parce que depuis les dernières années, le nombre de membres a doublé. Et puis, on s'attend, bien, on aimerait bien continuer au moins, dans cette direction. Oui, continuer dans la même direction. Alors, c'est quoi la vision, la raison d'être du club? La vision, c'est de faire connaître des Canadiens, ce qui se passe au Canada. Et nous avons souvent des visionnaires qui donnent ce qu'ils donnent à la société. Alors, on aimerait bien les faire connaître. On avait... les milieux sont différents, les milieux politiques, les milieux d'affaires, de sportifs ou culturels. Alors, nos conférenciers sont toujours des gens de différents, de différentes sources. Et puis, on avait invité un neurochirurgien. Le premier que j'avais invité, c'était un neurochirurgien qui opère sur le cerveau avec un robot. Alors, les gens étaient vraiment impressionnés parce qu'il expliquait très bien. Et puis, il expliquait d'une façon que les gens pouvaient comprendre facilement. Et on a eu plusieurs écrivains. On a eu Catherine Ford, qui a pas la langue dans sa poche. Et puis, on l'a bien aimé. Et puis, on a plusieurs écrivains qui sont venus. On a un écrivain qui est venu du Yukon, qui parlait de quand ils ont emmené les troupeaux d'animaux au Yukon à partir des États-Unis. Et... ensuite, on a eu Andrew Nikifora qui nous parlait du pétrole, des sables bitumineux, de son point de vue. Et puis, ça aussi, ça apporte les gens à demander des questions, à discuter avec les conférenciers. Et puis, ça rend toujours intéressant. Et le club aussi, ça nous permet de se rencontrer, faire des amis, faire des liens avec des nouvelles personnes et puis... Alors, les rencontres sont à l'heure du dîner, à midi? C'est toujours du dîner. C'est un lunch qu'on fait une fois par mois. Et puis, on donne une heure habituellement aux conférenciers pour parler. Et puis, pour la carte de membre, pour être un membre du Club canadien, c'est 50 $ par année. Alors, on demande naturellement un montant à chaque mois pour rembourser le montant de ce qu'on dépense pour les repas. Mais c'est quand même au Ranchman's, n'est-ce pas? C'est au Ranchman's parce que le stationnement est gratuit, c'est facile d'y entrer. Et puis, mais on a changé, on est à la Fort Calgary aussi. Et puis, au Palliser, au club de pétrole. Et puis, mais. Jusqu'à date, le meilleur prix, ça a été vraiment avec le Ranchman. Puis, on a toujours des bons repas et plus c'est bien. Et puis, à chaque mois, on s'inquiète toujours si on va
avoir assez de membres qui vont participer ou qui vont venir. Et puis, c'est quand même des conférenciers très intéressants, des gens qui, si on allait leur voir parler ailleurs, on paierait beaucoup plus que ça. C'est avec oui, un repas. Peut-être plus. Oui, 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 justement. Alors, qui peut-on s'attendre à voir dans les mois à venir? Au mois de novembre, la semaine prochaine, on a le colonel Roy Bowley, qui est il a pris sa retraite de l'armée. Et puis, alors, il vient parler de ce qu'il a fait pendant les inondations à Calgary. Et avec son équipe, tout ce qu'ils ont fait, et puis ce que les réservistes font. Et puis, il nous informe vraiment ce que l'armée fait. Et puis, alors, on apprend toujours. C'est ça qui est bon, parce qu'on apprend toujours de quelqu'un. Et puis, on a l'opportunité de demander des questions, puis vraiment savoir ce qu'ils font. Et de les rencontrer face à face par après. Oh, bien sûr, parce qu'ils sont vraiment toujours prêts. On a toujours une question période à la fin pour les gens, pour pouvoir demander des questions. Puis, non, c'est différent. On a eu Andrew Brash qui était monté sur Everest. Il voulait faire le... Monter sur Everest, et puis... mais en chemin, ils ont rencontré quelqu'un qui avait été laissé comme mort sur le parcours, et puis ils sont décidés, est-ce qu'on lui sauve la vie, on continue et on... Alors, comme des bons Canadiens... Ils ont décidé de l'épargner, lui donner de l'oxygène, et puis de le ramener à la base, où il pouvait survivre. Ouais. Et puis, c'était un peu touchant comme histoire. Sans doute, sans doute. Et puis, c'était vraiment humain aussi. Mais ce que les autres... c'est toujours intéressant. Et puis, au mois de décembre, vous avez On a l'honorable Jason Kenney. Ah oui, lui est un humain aussi. Il est un humain aussi, oui. Et puis, alors, j'imagine qu'il parlera des travailleurs étrangers. Et on verra bien. On n'a pas encore le titre de son discours, mais on verra bien. Et puis, alors, pour 2015, on a déjà quelqu'un, un docteur John Harper qui va parler de fracking. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour fracking. Il va parler de fracking parce que c'est toujours une question que les gens se demandent. Ils sont toujours opposés ou pour ou contre. En tout cas, il va nous informer exactement qu'est-ce que c'est. Et puis, on essaie d'avoir... On a eu Phil Curry, qui est le Tyrrell Museum aussi... Ah oui. Alors, paléontologie, justement, pour lui, c'est son intérêt. Et puis ensuite, on aura un biologiste au mois de mai. Et parler des microbes et tout. Ça s'enligne tout partout, de tous les domaines. C'est de tous les domaines. Et puis, on essaie maintenant de négocier pour avoir le Jim Prentice. Ah. Alors, au mois de février, alors c'est toujours... Le premier ministre albertain. Oui, le nouveau premier ministre albertain. Alors, c'est toujours des cas comme ça. Il faut toujours négocier pour pouvoir avoir quelqu'un pour être... Alors, si quelqu'un veut se joindre à vous, on fait ça comment? On peut toujours aller sur le site. Le site web. On peut seulement faire le Google de Canadian Club de Calgary. CanadianClubCalgary.ca. Ou simplement faire le Google Canadian Club, c'est le premier qui vient. C'est avant le whisky. C'est exactement. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Thank you to our guests, Danielle Sikander and Brian Duclos. On behalf of all of us here at Hello, Bonjour, Alberta, we hope you've enjoyed our show and we thank you for tuning in. Merci à nos invités, encore une fois, Daniel et Brian. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine. See you next time.